Bonsoir à tous. Et bonsoir à toutes. Bienvenue dans le JT de la grosse émission. Beaucoup d'actu. Très peu d'infos. On ouvre tout de suite ce journal avec l'annonce du jour. À vendre, Paris 10e, F3 atypique, cuisine afro-américaine, poutre flottante, chauffage au mur, 410 000 euros, net, vendeur. Pour plus d'infos, contactez en MP. Économie. Le géant américain Activision a annoncé... Patrick. Oui. Patrick, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça, Patrick? Il y a votre cousin, là, Patrick. Ah oui, ouais, je vous ai pas dit, il est sorti de prison ce matin. Non, mais il peut pas rester là, Patrick. Ah bah non. Tiens, bah t'as raison, assis-toi. Voilà. Ça va? Ah bon? Je vous préviens, s'il me touche, je le frappe. Oh là là, l'ambiance! Justice, ouverture aujourd'hui du procès en appel d'Oscar Pistorius. Tout de suite sur place, nous retrouvons notre envoyé spécial, Patrick Chanfray. Ah bon? Patrick, vous m'entendez? Oui, Guillaume, je vous entends. Voilà, je suis actuellement avec un micro. Voilà, je suis actuellement avec un micro. Je suis au procès d'Oscar Pistorius. En appel. Non, Patrick, c'est lui qui fait appel. Ah oui, mais il a pas mon numéro, moi. Non. C'est lui qui est en cours d'appel, Patrick. D'accord, alors je raccroche? Oh là là. On a tous envie de raccrocher là, Patrick, vraiment. Ah bah tiens, j'ai un témoignage. Ah. Alors bonjour Oscar Pistorius, qu'attendez-vous de ce nouveau procès? Bah tiens, fais un truc avec une jambe peut-être pour faire voir que c'est... Bon, écoutez, merci Patrick, merci pour ce reportage édifiant, vraiment. Flore! En Écosse, un arbre change de sexe. En effet, un if mâle vieux de 5000 ans se muterait peu à peu en femelle. Le stress environnemental pourrait être la cause de cette modification hormonale. Ah, moi, je le comprends. Hein. Attends, dès que je suis stressé, pan, j'ai les ovaires en feu. Laissez vos mains sur la table. Insolite. Une somnambule américaine de 19 ans a parcouru pas moins de 15 km dans la nuit de vendredi à samedi sans ouvrir un seul œil. 15 km, il faut vraiment avoir une confiance aveugle. En plus, il devait être super long, le fil, du coup. Non, ça, c'est pas somnambule, c'est funambule, Patrick. Ah. Et la planche avec les quatre pieds? C'est une table. Ah oui, donc rien à voir. Non, rien à voir. Fisk fucking, Mediapart nous apprend que Patrick Balkany a bénéficié d'une réduction d'impôt de 180 000 euros. Politique, François Hollande s'est exprimé ce matin sur Europe 1. Il a déclaré le succès de la COP21 possible, pas certain. Mais probable. Mais pas sûr. Bof moyen, mais peut-être quand même. En même temps, on sait jamais, c'est coussi coussa. Tout fout le camp. Un troupeau de 10 baleines s'est échoué sur une plage de Calais. Voilà, quand vous dites baleine, vous parlez bien du poiscaille? Évidemment, Patrick, quoi d'autre? Non, parce qu'il y en a qui sont pas fut-fut et qui confondent à chaque fois avec la marque du sel. Il faudrait être complètement crétin, Patrick. Ah bah ouais, grave. En même temps, c'est pas super clair. Hein, Patrick, il me renifle, non, là, non, il me non, renifle. On renifle pas la dame, je t'avais dit. Anniversaire, Julia Chanel, l'ex-actrice de film X, fait aujourd'hui ses 42 ans. Ouais, bah je peux te dire qu'elle a soufflé des bougies. Oh, mais Patrick, je me demande vraiment comment j'ai pu vous épouser, vraiment. Oh, bah c'est tout simple. L'adjoint au maire a dit « Voulez-vous prendre pour époux ?» et réciproquement. Après, on est parti dans une salle, il y avait du mousseux, vous êtes battu avec mon tonton Didier. C'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis, c'était Aude Gonigoubert. Et Patrick Chanfray, surtout n'oubliez pas qu'il en faut peu pour être heureux. En effet, il faut se satisfaire du nécessaire. Bonsoir à tous. Et bonsoir à toutes. Bisous. Bisous.